Eh bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 3 semaines, nous avons réalisé un voyage avec Sean dont le parcours nous a emmenés autour des États-Unis. De Californie en passant par l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming, le South Dakota, le Montana, l'Idaho, l'Utah, le Nevada et bien sûr retour en Californie. Nous avons visité des endroits magnifiques tels que la ville de Tombstone, la ville de Denver, le parc Mount Rushmore où figurent les têtes des premiers présidents des États-Unis sculptés dans la montagne, le site de Sitting Bull, le fameux chef indien, passant au-devant également de la Tour du Diable, la montagne qui a servi de décor pour le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et aussi et surtout le parc Yellowstone qui est un des plus grands cratères volcaniques de la planète. Et surtout, il est aujourd'hui en pleine activité. Nous avons également visité la ville de Custer, du nom du général Custer, qui a été défait par le chef indien Sitting Bull à Little Bighorn. Nous sommes également passés par Salt Lake City et fini notre voyage à Las Vegas. Et tout cela avec notre nouvelle voiture électrique, la Tesla Model 3. 2 semaines superbes de voyage que je vous ferai vivre sur plusieurs vidéos. Aujourd'hui, eh bien, nous allons nous arrêter dans la ville de Tombstone. Allez, c'est parti! Tombstone est une petite ville en Arizona où... Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Oh là, mon Dieu! Attends! Aïe! Oh là là! Voilà, et bien nous revoici en 2020. Vous vous demandez certainement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, d'abord, je dois vous dire que vous connaissez Tombstone. Oui. Alors, on va faire un peu d'histoire. D'abord, le nom de cette ville qui n'est pas banale, Tombstone, qui veut dire en français « pierre tombale ». Je ne pense pas qu'en France, on a une ville qui porte ce genre de nom. Donc l'histoire est connue sous le nom de « Hockey Corral ». Dans la soirée du 26 octobre 1881, 3 cow-boys ont été abattus lors d'un règlement de compte dans cette petite ville. Bien que la fusillade n'a duré qu'une 30aine de secondes et qu'il n'y a eu que 3 victimes, ce règlement de compte est resté très très populaire dans les annales du Far West. D'ailleurs, plusieurs films ont été tournés à propos de cet événement, dans la ville même. Ce qui est intéressant, c'est que Tombstone est restée telle qu'elle était en ce 26 octobre 1881. Allez, je vous emmène, c'est parti. Voilà, et bien donc là maintenant, on vient d'arriver à Tombstone. Alors donc c'est une ville, un petit village très connu ici, aussi bien pour les personnes qui habitent la région que même la Californie, ainsi que pour le cinéma, parce que si vous avez entendu parler du film Hockey Corral, eh bien qui est tiré d'une histoire vraie, c'était un règlement de compte assez important qui s'est passé il y a un peu plus, entre 100 et 150 ans, eh bien ça s'est passé dans ce village et ils en ont fait un film. Celle de ville.
Et voilà, là c'est le, en fait ce qu'on pourrait appeler le palais de justice de Tombstone qui a été construit en 1882. Voilà la salle du tribunal de Tombstone, là où ont été jugées les personnes qui étaient présentes et qui étaient coupables au règlement de compte de Hockey Corral. Voilà, bien c'est l'endroit où étaient pendus des gangsters et puis des assassins, notamment du Hockey Corral. Il y a 7 personnes qui ont été pendues ici. Voilà, et là c'est le courthouse, c'est-à-dire le palais de justice. Voilà, vous avez derrière moi, eh bien, chez Madame Moustache. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment typique Western Cowboy. Ouais, exactement. En fait, le county s'appelle County Cochise. Voilà. Ok. Ce qui est un nom d'un chef indien, je pense. Oui, c'était le nom d'un chef d'une tribu indienne. Voilà. Cochise, Constant. Voilà, c'est une espèce de bar. Et comme vous pouvez voir, eh bien, no weapon allowed. Vous ne pouvez pas venir avec votre revolver ici. Thank you.
Bien, et bien j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors pour la prochaine, je vous emmènerai au mont Rushmore. Voilà, nous avons fait beaucoup de routes. Voilà, donc si vous avez encore apprécié cette vidéo, et bien n'hésitez pas à laisser soit des commentaires, soit mettre un pouce bleu. Voilà, je vous dis à plus tard. Bye.